Alors je suis désolé, j'étais obligé de laisser parce que de laisser parce que je sais pas d'où vient cette musique, je sais pas pourquoi. Donc on se retrouve sur Football Game. Donc jeu de football. Je suis même pas sûr que ce soit un jeu de football en vrai. Mais parce que le principe m'avait intrigué, tu vois. Donc je l'ai acheté, je trouve qu'il est pas trop cher, 5 balles, un truc comme ça. Et voilà, mais c'est surprenant quoi. Donc bon bah allez, let's go Tano hein. Hop, nouvelle partie. Oui, alors le jeu est disponible en anglais, français, tout ça. East Bend, Purchase Country. 1987. Oh, c'est mon année de naissance! Bon, la musique, c'est vraiment étrange. Une bon, alors, à tous les coups, je suis. À tous les coups, je suis claim. Hein? C'est un point and click! Bon, bah, oh, bah, au moins, le titre sera putaclic sans le vouloir, hein. Bon, bah, écoutez. Bon, alors j'imagine qu'il faut réveil. D'accord. C'est aussi chelou. Oui, bonjour. C'est bien, elle était forte. Je me suis endormi. Je dois me préparer pour aller voir Suzy. Oui, d'accord, très bien. Alors pourquoi Football Game? Je devrais me débarrasser de ces bouteilles avant que maman les trouve. Appuie sur la touche utilisée pour interagir avec le monde autour. Appuie sur la touche examiner pour observer le monde autour de... D'accord, ils ont même pas fini leur phrase. De... Autour de... D'accord. Les objets dans l'inventaire peuvent être consultés en bougeant votre curseur en haut de l'écran. Appuie sur... Continuez. Ok. C'est quoi la bouteille? Non. Rond, d'accord, c'est rond la touche, regardez. Ah, j'ai un peu trop bu cet après-midi, je me sens nerveux avant les matchs importants. Ah, je n'ai pas le temps de faire mon lit aujourd'hui, désolé maman. Bon, on va prendre des bouteilles. Ok, donc j'imagine que... Attends, nouvel objet, bouteille vide. Ok, très bien, réveil. Il n'y a pas de bruit, c'est très... Il n'y a rien que je déteste plus que le son du réveil. Ok, tiroir. Ce tiroir contient mes sous-vêtements, hein. Je n'ai pas besoin de me changer. Ok, armoire. Je ne veux pas changer mes vêtements, j'aime bien ce que je porte. Ma Purchase County High Vest est cool. Ok. Trophée. Oh, c'est trop précieux pour le toucher. On peut rien faire en fait. Ah, boombox, tu vois. Les piles sont à plat. Ok. Poster. Un poster de mon groupe préféré, Jupiter C. Ah, j'adore le son du synthé génial. J'ai essayé de sortir de la chambre en grimpant par la fenêtre une fois. Je me suis coincé et maman m'a privé de sortie. Ok, poubelle. Ah, il y a que des ordures dedans. D'accord. Bouteille, si je les mets dans la poubelle. Voilà. Ok. Bon, bah... Oui. Ah, je dois me raser. Suzy déteste les barbes. Eh ben putain. Il doit faire des concessions, le mec. Plante. Ah, je ne peux pas traîner cette plante. Maman ne serait pas contente. Oh, ah, je crois que ça s'appelle un yucca. C'est quoi? Allez à l'étage. On va voir. Oui, très bien. Photo, fais voir. C'est une image de Bobon Peak. La montagne. La montagne la plus connue de Purchase County. La montagne, putain. Alors, traduction française, vite fait. Ok. Bah, il fait super froid ici. Ça me rappelle la fois où coach Funkhauser nous a fait grimper la moitié de la montagne. Alors, Belmont, évidemment, hommage à Prince of Persia. Désolé. Castlevania. La salle de bain de maman. Ah, je ne peux pas vraiment y entrer. La salle de bain de ma mère. Je n'ai pas le droit d'y entrer. La chambre de maman. La plante. Ah, il y a peut-être un truc dans la plante. Maman arrose les plantes dans la maison, je n'y touche pas. Ah, je ne connais pas grand-chose aux plantes, je crois que c'est une fougère. La chambre de maman est fermée à clé, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon, ça s'annonce très bien. Alors, attends, on va aller là. Hop. Assez vide ce soir. Fromage, lait, du jambon. Rien de très excitant. Bah attends, s'il faut que j'aille me raser, on va aller se raser, hein. Ah, je ne veux pas, attends. Faudrait que je remplace les piles. Oui, mais tu peux aller
Tu cassis? Je suis obligé de cliquer en bas quoi. C'est quoi ça? Tac, il n'y a rien là. Lit, tiroir. Ouais, j'imagine qu'il faut que j'aille à la salle de bain. D'accord, la salle de bain elle est en bas. Moi, je crois que c'était la sortie. Okay, quitter la salle de bain. Tape, miroir, toilette. Toilette, bain, serviette. Hop. C'est quoi ça? Rasoir. Ok. Voilà, là, je me rase. Très bien. Bon, écoutez, je m'attendais à tout sauf un point and click. Oui. Ah, c'est quoi ça? D'accord, son visage. Oh, Suzy, je t'aime, embrassons de nous. Ah, tu me chatouilles le visage, Tommy. Sois gentil et rase-toi la prochaine fois, s'il te plaît. Je suis désolé, Suzy. C'est juste que je suis un homme, après tout. Ah, t'es un garçon qui sent mauvais et qui ne sait pas comment se faire beau. Mais tu m'aimes? Eh bien. Oui, je t'aime. Ah, c'est beau quand ça se passe comme ça. D'accord. Oui. Il nous fait une. Comment il s'appelle? Ah putain. James Sunderland. Quitter la salle de bain. Miroir. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Toilette. Ah, j'ai pas besoin d'utiliser les toilettes pour l'instant. Ben. Ah, ce n'est pas le moment de prendre un bain, même si je voudrais vraiment en prendre un. Miroir, rasoir. Ah, je me suis déjà rasé. Mon visage est aussi doux que la peau d'un bébé. Je me demande toujours à maman d'installer une douche ici, mais elle ne m'écoute pas. Ouais, d'accord. Quitter, bain, toilette, lavabo. Ça sert à rien, mais bon. Oui, allô? D'accord, je sais pas à quoi ça a servi. L'évier est brillant. Ok. Bon, bah écoutez, on va sortir. Hein. Ah, je n'ai pas besoin de petits. Mais non, je veux que t'avances. Ah, c'est chiant ça, par contre. C'est casse-couille. Bonjour, maman. Salut maman! Salut chérie, est-ce que tu t'es bien reposée? Oui maman. Et tu t'es rasé, tu t'es fait beau pour quelqu'un? Ne sois pas bête maman, je vais juste au match. Ah bon? Ton père va bientôt rentrer, il aura besoin de la voiture. Maman! Et est-ce que c'est de l'alcool que je sens? Oui, je suis désolé, on va répondre la vérité. Hein. Oui, je suis désolé. Toby, chérie, on a déjà parlé de ça. Je ne le ferai plus. Dis ça à ton père. Donc, je ne peux pas prendre la voiture. Qu'est-ce que tu crois, jeune homme? Tu n'iras pas au match ce soir, tu as bu. Maman! Tu m'as entendu, laisse-moi faire la vaisselle maintenant. Je dois aller au match, je te dis m'attendre. Bon, rien n'a changé depuis la dernière fois que j'ai regardé à l'intérieur. Ouais, bah, tu m'étonnes. Maman est en train de laver la vaisselle. Est-ce que j'ai dormi pendant l'heure du dîner? Bon, on va regarder, hein, on va faire le tour. Voilà, fruits. Ah, je n'ai pas faim, je perds mon appétit avant les matchs importants. Ah, je n'ai pas le temps de m'asseoir, je dois aller au match maintenant. Télévision. Ah, sympa la télévision! On peut changer de chaîne. D'accord, avec des vieilles images, tout ça. Il se répète en boucle. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça a l'air. Il y avait des animés avec un fantôme. Maman déteste quand je change le volume, j'ai appris à ne pas y toucher. Bon d'accord, il y a quoi que... Ouais d'accord, ça va ici.
D'accord. Les images ont complètement changé. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est, ça aussi. Sortie, ok, bon. Quitter la maison. Eh monsieur, il n'y pense même pas! Eh shit. Ok. Tableau. Il n'a pas besoin d'être dressé. Voilà pris, ok. Là, je peux quitter. Ok. Ok. La bouillard, peut-être. Oh, est en train de bouillir. Ok, là, il y a un tiroir. Maman regarde les couverts et serviettes dans ce tiroir. Ah, je ne sais pas cuisiner, à moins que réchauffer une pizza compte. Suzy va m'apprendre à faire des cookies un jour. Oui, bouillante, prête à faire une bonne tasse de thé. Hop, ah, j'ai pris des sachets de thé, c'est une tisane, la préférée de maman. Sachets de thé, nouvel objet, ok. Boîte, boîte. Boîte. Ah, ce n'est pas le moment de faire du gâteau. Ah, je ne peux pas porter une boîte de tomates. Ok. Bon, j'ai pris un sachet de thé, c'est important. Je peux sortir? Ah, d'accord, faut quitter là. Placard. Verre. Je ne veux pas boire. Je ne veux pas boire. Boîte. Cette petite assiette. Ok. Rien n'a changé depuis, d'accord. Et en dessous, congélateur. Ok. Oui. Là, y a rien. Ok. Bon, j'imagine qu'il faut que je monte en haut. Non, non. Allez à l'étage. Bon, on verra bien. D'accord. Ah oui, attends, donc du coup. Ah oui, mais attendez, je suis obligé de pointer en bas, d'accord. Bon, ça se voit que ça a été prévu sur PC. L'eau est bouillante, prête à faire une bonne tasse de thé. Voilà, fruits, hop. Hop, là. Ah, je devrais mettre le sachet de thé dans une tasse ou autre chose, plutôt que dans le bouillard. Oui, évidemment, mais... Voilà, fruits, tac, maman. Eh non. Ok, donc, voilà, là. Sucre, farine, ok, d'accord. Donc on quitte. Hop, donc du coup on va là-dedans. Ah bah voilà, tasse. Ma mère adore sa tasse, meilleure maman au monde. Nouvel objet, tasse. Ok. Donc j'imagine. Ah merde, attends, faut faire ça et ça. J'ai mis le sachet de thé dans la tasse. Ok, donc maintenant, attends, merde, il est où? Voilà, ça. Et dans la bouillard. Voilà. Comme ça, maman va être contente. J'ai préparé une tasse de thé bouillant. Bon, la fruit. Ok. Tiens, maman, tu devrais te reposer un peu. Oh, chérie, ma tasse préférée, un bon thé chaud. Ah, t'es le meilleur fils, Tommy, je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je vais m'asseoir un petit peu. Salut, maman.
Je m'excuse d'avoir bu, on va dire. Maman? Comment est ton thé? Maman? Elle a l'air d'être étourdie, je m'inquiète pour elle. À plus tard. Maman est comme ça des fois, elle s'assoupit. Les clés de la voiture doivent être quelque part par là. Maman regarde, hop. Ok, oh très bien. On va monter, est-ce que je peux monter? Salle de bain de maman. Ok. Bon, c'est fermé, d'accord? Bon. Bon bah écoutez, je crois qu'on va pas continuer plus longtemps. Ce jeu est vraiment très bizarre. Tiroir. Et bah, ok. Bon. Ah oui, bah oui. Dans la veste. J'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Il n'y a rien à l'intérieur. Maman a déjà venu prendre le courrier. La voiture est garée dans la rue. Du garage, autour du garage dans la rue, ok. La voiture ne va pas, c'est une œuvre d'art. La voiture est fermée à clé. Ok, donc on va prendre les clés. Oh, un cadeau! Comment j'ai pu oublier le cadeau de Suzy? Je pense que je l'ai laissé sous mon lit. D'accord. La voiture est fermée à clé. Ok, donc bon bah on retourne à la maison du coup. Je devrais aller chercher le cadeau de celui-là. Ok, d'accord. Salut maman. À plus tard. Bon. Rien n'a changé depuis la dernière fois, ok. Sous le lit. Sac, vêtements. Ballon. Et il n'est pas là! Oh, je ne comprends pas, je suis sûr d'avoir caché la boîte ici. Maman, elle a dû le temps la trouver. Je parie qu'il est dans sa chambre. Complication, complication. Il n'y a rien dans ses ordures. Ouais, j'ai quand même posé la poubelle, mais. Hein? Ah non, mais oui, d'accord. Okay. Ouais, bon, attendez. On va parler à maman. Salut maman. À plus tard. Bon. Très bien.
Ah, la probabilité que ma mère ait caché le cadeau de suicide dans sa salle de bain est presque nulle. Je suis sûr qu'il est dans sa chambre. Ah, la chambre de maman est fermée à clé. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer dans sa chambre. Je suis sûr que le cadeau de suicide est quelque part à l'intérieur. Ah, peut-être par l'extérieur? On va essayer. Je trouve qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il ne veut plus parler à sa mère. Par là. Mince, Toby, c'est une épave! Je sais, mon père promet toujours qu'il va la réparer. Je suis un peu trop vieux pour ces cabanes, de toute façon. T'es fou, Toby! Pense au bon moment qu'on pourrait avoir à l'intérieur! Suzy Cooper, nous sommes faits l'un pour l'autre. Eh oui! Bon, papa, viens réparer la cabane, s'il te plaît. Ha ha ha! Hé hey, Toby! Toby, viens là! Il doit être en train de dormir, petit fainéant. Ah, je ne peux pas atteindre la fenêtre d'ici, je ne suis pas Stretch Armstrong. Je ne peux pas l'atteindre d'ici. Bloc de ciment. Ah, je vais laisser ici pour le moment. Ah, je regarde, hop. Gouttière. Ah, je ne peux pas atteindre la gouttière d'ici. Je peux pas l'atteindre d'ici. Il n'y a pas moyen que je puisse escalader le trou. Il est trop large et lisse. Ouais, je vais peut-être aller dans le garage. Bon, de toute façon, vous savez. Attendez. Attendez, 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 attendez. Ah, il y a un truc. Bloc de ciment. Ouais, je vais laisser. Ok, d'accord. On va voir dans le garage et je vais vous laisser ici. Bon, bah écoutez, un point and click. Bon, allez, on va. Ça sent l'histoire d'horreur. La porte du garage est fermée à clé. Fenêtre donne sur le couloir à l'étage. C'est fermé à clé, j'en suis sûr. Cette fenêtre donne sur le couloir à l'étage, ok. Ouais, bon bah là j'ai plus d'idées, donc c'est un point and click évidemment, va falloir faire des trucs et des machins pas très raisonnables. Donc, non, là, ça donne rien. Non, la chambre de maman, c'est fermé, je suis con. J'ai essayé de sortir de là, ok. Bon, bah, écoutez, merci de regarder cette vidéo. Football game, assez étrange, bon. Point and click, sûrement un jeu d'horreur. Bon, bah, écoutez, déjà, on va sauvegarder. Hop. 2 sur 26, 23 avril. Allez, let's go. Ça a sauvegardé. Bon bah écoutez, merci de regarder cette vidéo, étrange, je sais pas si ce que ça donne, hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon bref, football game, un jeu où t'as pas de football, ou peut-être football comme c'est le match de football américain, mais pourquoi le jeu? Je sais rien, bon ça sent que ça va partir dans l'histoire d'horreur. Allez bah, merci de regarder et à bientôt sur le réseau.